Assez. Assez. Coupez mon petit corvée. Nous attendons vos explications, monsieur René. Mes explications? Oui. Sur cette chose qui nous a coûté 15 millions de francs. Nous avons trouvé votre film quelque peu... abstrait. Ah? Nous vous demandions un film de propagande industrielle susceptible de provoquer un mouvement d'intérêt en faveur des matières plastiques, et non pas ce galimatia. Abscon, fumeux, sulfureux, ce sont les termes du président. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous l'expliquer davantage. Allons bon. Nous sommes polytechniciens, je pense que nous pouvons comprendre. En vérité, je crois qu'il n'y a pas une explication, mais plusieurs. Ah. Et combien ? Combien ? Combien ? Bien, disons, autant qu'il y a de spectateurs. J'essaie de m'adresser à l'inconscient, voyez-vous, car je crois que le cinéma... Oh non, non. Vous n'avez pas réalisé un film, monsieur René. Mais un hold-up ! Un hold-up ! Faites l'entrée. Je ne comprends pas. Toutes les personnes qui ont vu le film m'ont fait part de leur enthousiasme. Jean-Luc Godard, que vous connaissez peut-être, a même dit... Procédez, Denise. Madame Yablon, ici présente, a été dépêchée en urgence pour sauver le film. Ce n'a pas été une mince affaire. Quoi, mon film ? Ne vous inquiétez pas, Madame Yablon a travaillé avec les plus grands. La Régie Runeau, Usinor, Saint-Gobain. Moteur, Denise, moteur. Le film s'ouvre désormais sur des images du président de Péchiné, un homme moderne et bienveillant. C'est une plaisanterie. On coupe ensuite sur les rares plans d'usine que vous avez réussi à mettre sur pellicule. Monsieur Massy, c'est intolérable. Pellicule que les ingénieurs de Péchiné ont corrigé grâce à un ingénieux traitement photochimique qui atténue les couleurs criardes de l'Eastman Color. C'est assassin! Monsieur René, s'il vous plaît. Le département juridique souhaite retirer les mots. Le moule coûte cher, mais il peut resservir sur d'autres continents. C'est une divulgation de nos secrets industriels. C'est d'autant plus déconcertant que les notes fournies étaient d'une grande clarté. Nous vous demandions simplement de rappeler que la combinaison de l'éthylène et du benzène forme le styrène monomère. Monsieur Rondeau, de la direction commerciale, souhaite supprimer le mot « boudin ». Dans les verres, un boudin que sans fin une vis agglomère. Ce René. Sur cette chose. 15 millions de francs. Vous aviez raison. C'est un hold-up. Monsieur René. Monsieur René.